Bonjour à toutes et à tous. Je suis Yacine Benassar et au nom des CM2B et des 6e, je vous souhaite la bienvenue à notre vernissage. Au programme, Rita Meisha va vous parler du travail mené en amont avec Madame Curie et Madame Mélavi. Ensuite, Kazé Jeannetni, Mehdi Sader et Matala Wereda vont nous parler de la rencontre avec les auteurs. En troisième lieu, Rita Mufti, Lilia Kenil et Raihan Dormi vont nous présenter les différentes étapes de la planche. Après, Malak Zinaï, Lina Korshi vont vous présenter nos boîtes représentant notre monde parfait. Et pour finir, Mehdi va... Si nous sommes ici aujourd'hui, c'est grâce à Madame Abdiman et Madame Carmen Claire qui avaient organisé notre rencontre avec Cédric Fernandez et Pierre-Roland Saint-Dizier, spécialiste de la BD, pour nous initier à cet art. À l'issue de cette expérience, nous partageons avec vous les étapes suivies pour faire une BD. La réalisation du plan de BD implique plusieurs étapes, notamment la conception du scénario. Avant de dessiner, on a choisi les personnages. Nous avons choisi le renard, un être rusé, intelligent et cool. Je suis de plus en plus perfectionné. Et je tiens à vous faire remarquer que comme nos anciens camarades l'ont dit, les élèves ont pu faire connaissance avec deux grands maîtres de la BD et de l'art qui nous ont permis depuis de découvrir une nouvelle passion pour la BD, pour l'art, pour le dessin. Merci de votre attention, chers professeurs, chers élèves, chers parents. Nous vous remercions également, ainsi que Madame Cardu et Madame Adou. Nous ont permis de rencontrer ces grands auteurs et bédénistes et de faire cette magnifique exposition au CDI. Un grand merci également à Madame Gueff qui a permis aux élèves de 6e d'exprimer toute leur créativité pour présenter finalement un monde du Petit Prince tout à la fait différent de ce qu'on pourrait imaginer ou attendre. Ainsi, dans notre propre dans une planète, dans une idée artistique, je et au nom de tous les élèves remercie les professeurs. Et le même monsieur le proviseur nous ont permis de développer des idées innovantes sur le Petit Prince et pour notre plus grand plaisir, organiser ce vernissage avec nos œuvres.